Bonjour YouTube, alors je vous fais aujourd'hui un full day au fitting, comme on dit en anglais, ou une journée dans mon assiette. En français, alors pourquoi ça? Ça fait un moment que je vous ai pas fait de full day au fitting. C'est parce que en ce moment je suis en sèche, je suis en train de perdre du poids et assez rapidement. Donc je voulais partager avec vous les stratégies que j'implémente au quotidien pour réduire au maximum mes calories pour là, commencer une perte de gras vraiment plutôt rapide. Alors on commence tout de suite avec mon premier repas qui est assez tardif parce que je fais en ce moment du jeûne intermittent la plupart des jours. C'est-à-dire que grosso modo je décale mon petit déjeuner, enfin même j'en prends pas. Donc je commence à manger plus tard parce que j'ai pas très faim le matin pour garder la majorité de mes calories pour l'après-midi et la soirée. Alors dans ce premier repas j'ai en tout ma source de protéines. Ici j'ai choisi de prendre du thon simplement parce que c'est très protéiné pour assez peu de glucides et assez peu de lipides parce qu'en ce moment je sèche à des calories assez basses donc il n'y a pas de petites économies. Ensuite, j'ai des carottes râpées pour le volume alimentaire et pour les fibres, ça va m'apporter de la satiété. Et ensuite, troisième grande composante de ce repas, on va dire, c'est quelque chose que j'expérimente là depuis assez peu de temps. C'est des pâtes faites à base de konjac. Alors le konjac c'est un végétal qui est une racine même, qui est très très peu calorique et assez peu fibreux. Donc là dans cet exemple, pour 200 grammes de pâtes, j'en ai pour 16 kilocalories, ce qui est absolument ridicule. Et en accompagnement à ça, j'ai du sel, du poivre qui contiennent pas de calories et également une sauce quasiment zéro calorie également. Là j'en ai une vingtaine de grammes, ça fait dans cet exemple-là uniquement 3 à 4 calories. Ce qui fait que je me retrouve avec un premier repas très peu calorique. On est seulement à 238 kilocalories pour quand même 38 grammes de protéines. Alors ça fait très peu de calories parce qu'en ce moment je fais des journées qui sont aux alentours des 1200, 1500 kilocalories. Je me permets de sécher très agressivement au début parce que lorsque vous commencez votre perte de poids, que vous êtes encore assez gras, vous allez pouvoir perdre du gras rapidement sans trop craindre la perte du muscle. Et en plus de ça, lorsque vous commencez votre période de perte de gras, c'est aussi là que vous allez avoir le moins faim pour le moment. Donc vous pouvez en profiter pour commencer votre sèche avec un déficit assez agressif et ensuite pourquoi pas réaugmenter un petit peu vos calories. Surtout si vous êtes très actif, comme c'est mon cas en ce moment. J'en profite aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi de sécher aussi rapidement. Parce que là, je commence ma troisième semaine et j'ai déjà perdu 4,3 kg en 14 jours. Alors c'est assez rapide. Je suis plutôt fan des périodes de perte de gras assez agressives, même si c'est pas pour tout le monde. Et je vous expliquerai dans des futures vidéos comment l'implémenter au mieux et pour quel type de profil c'est. Moi, je suis assez fan de ça. Du moins sur moi, parce que déjà c'est plus motivant qu'une perte de poids plus lente. Vous allez voir les résultats plus rapidement, ce qui va vous motiver pour continuer sur votre lancée. Deuxièmement, un argument pour lequel on aurait tendance à faire des pertes de poids plutôt longues, un peu plus modérées, ce serait pour essayer de limiter la perte de muscle. Or, même avec des pertes de poids assez rapides, si vous maintenez vos protéines hautes, et que vous continuez à vous entraîner, vous êtes assez peu à risque de perdre du muscle. Et d'ailleurs, j'ajouterais même que dans tous les cas, même si vous veniez à perdre du muscle pendant une période de déficit agressif, et bien puisque votre sèche aura duré moins longtemps, vous aurez en quelque sorte gagné du temps pour ensuite revenir à maintenance calorique plus rapidement, voire même repartir sur une période de surplus calorique pour à nouveau chercher à prendre du muscle. Donc voilà, c'est plus motivant, vous ne risquez pas pour autant de perdre plus de muscles. Et il y a également une troisième chose qui est assez contre-intuitive, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et les études le prouvent, un déficit calorique plus agressif, donc manger moins de calories, sécher plus rapidement, est même mieux d'un point de vue de la faim comparé à une perte de poids plus modérée en fait. On n'a pas vraiment d'explication par rapport à ça, mais sécher plus rapidement, étonnamment, vous laissera moins affamé que si vous séchiez d'une façon plus progressive. Mon interprétation de ça, c'est un peu, je pense, la même chose que ce qui se passe lorsqu'on jeûne. C'est-à-dire que
passé un certain moment de jeûne, votre corps va juste comprendre qu'il n'aura pas les calories qu'il aimerait avoir sur le moment et il va simplement réduire votre signal de faim. Donc moi je l'interprète un petit peu comme ça. On n'est pas encore au courant d'une raison physiologique particulière, hormonale, qui pourrait expliquer ça, mais visiblement on a des données qui nous renseignent sur ça. Apparemment un déficit calorique plus agressif n'apporterait pas plus de faim, d'ailleurs réduirait la faim, comparé à un déficit plus modéré. Je reviens aussi sur les choix alimentaires que j'ai fait pour ce repas, et d'ailleurs la majorité de mes repas sont composés comme ça. On a de 1 une source de protéines plutôt maigre, mais ça peut varier, ça peut être par exemple une viande rouge un petit peu plus calorique. Deuxièmement, ça va être beaucoup de légumes pour créer du volume alimentaire, se faire une belle assiette, parce que le volume alimentaire est un facteur de satiété. Et en plus, c'est dans mes légumes que je vais obtenir mes fibres, les fibres qui, elles aussi, apportent de la satiété, donc qui vont réduire votre faim, qui vont caler plus longtemps. Et troisièmement, j'aime rajouter des épices, rajouter peut-être des sauces zéro pour ajouter un petit peu plus de saveur à ce repas-là. Et dans ce repas particulier, j'ai expérimenté avec les pâtes de konjac, toujours pour créer plus de volume, apporter plus de fibres et apporter un petit peu de variété également dans ce repas-là. Mais vous verrez tout au long de la journée que mes repas servent tout ça. Une source de protéines le plus maigre possible et ensuite beaucoup de légumes, assez peu caloriques et surtout très fibreux. Ok, il est 17h45, je sors de la salle, j'étais parti faire une séance haut du corps, assez courte mais assez complète aussi. Et là, je me retrouve à taper une sorte de collation juste avant un match d'entraînement de tennis. Alors je vais avoir ici que l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il faut sur le court terme pour performer sur plusieurs séances d'entraînement consécutives. Donc dans ce petit repas, je vais avoir 50 grammes de whey, ce qui me fait un peu moins de 200 calories. Et je vais aussi avoir 3 clémentines. Lorsque vous enchaînez plusieurs séances d'entraînement comme ça, les deux choses qu'il vous faut, c'est des protéines et des glucides. De préférence assez faciles à digérer. C'est pour ça que là, j'ai opté pour de la whey plutôt que pour des protéines solides. Et pareil pour les glucides. J'ai choisi quelque chose d'assez peu fibreux. Et aussi, vous remarquerez que c'est des choses assez faciles à emporter. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses au niveau de l'organisation. C'est très facile de prévoir ce genre de petites choses. Donc je pars là pour environ 2 heures de match d'entraînement de tennis. Et je vous retourne ensuite pour le dîner, pour dépenser le reste de mes calories. Alors un petit point sur cette collation au niveau des calories et des protéines. On est là sur un snack qui fait 299 calories avec 38 grammes de protéines. Donc c'est tout pour le moment, je vais manger ça et je vous retrouve pour le dîner. Il est 21h, je viens de rentrer de mon match d'entraînement de tennis et je m'apprête à manger mon dernier repas de la journée. Mon dîner, il n'y aura rien d'autre après. Et c'est mon repas le plus calorique, mais qui suit quand même les grandes lignes de mes repas précédents. Donc avant tout des protéines avec beaucoup de volume, notamment ici avec des fruits congelés et de la salade. Alors on a dans ce bol 500 grammes de fromage blanc avec 150 grammes de fruits rouges congelés, donc c'est un mélange, il y a un peu de tout. Et j'ai à côté de ça une petite assiette avec bon, seulement 100 grammes de salade, parce que j'ai pas pu rentrer plus, avec un petit blanc de poulet d'environ 110 grammes. Et j'ai rajouté avec ça un petit peu de moutarde. La moutarde, ça vous permet d'ajouter facilement du goût à vos plats. C'est un peu le même concept que ce que j'ai fait ce midi en utilisant une sauce zéro, donc une sauce d'une marque de complément alimentaire avec de l'édulcorant, mais c'est la même chose pour des épices, pour du piment, pour de l'ajout de sel, de poivre. Vous pouvez faire en sorte de rendre vos plats meilleurs en rajoutant très peu, voire pas du tout de calories. Donc je vous recommande d'être un petit peu créatif dans la conception de vos plats pour faire en sorte que ce soit bon tout en gardant un budget calorique assez restreint, donc en se concentrant sur des sources de protéines maigres, des légumes et ensuite, selon votre budget calorique, vous autorisez plus de glucides ou de lipides pour compléter le reste. Au total, ce repas, ça nous donne 600 calories tout pile avec un petit peu plus de 60 grammes de protéines, puisqu'il y en a une quarantaine dans le fromage blanc et un peu plus de 20 dans le poulet. Donc ça fait un repas très protéiné. C'est aussi important pour moi de mettre mon dernier repas assez haut en protéines,
parce que là, je vais avoir plusieurs heures de jeûne qui vont arriver là, avec la nuit. Donc, théoriquement, ça peut être intéressant de mettre plus de protéines sur le dîner pour procurer à la fois une, comment dire, un bon déclenchement de la synthèse protéique et également essayer de faire en sorte que cette synthèse protéique, donc cette construction de tissus protéiques et musculaires, on espère, dure sur la durée. Parce que ce qui compte sur la durée, pour la prise de muscle, même pour la rétention de muscle, c'est d'à la fois de stimuler la synthèse protéique, mais aussi de réduire la dégradation. Parce que c'est la balance de ces deux choses qui va faire le résultat net de votre prise ou de perte de muscle. Donc c'est la raison pour laquelle mon dîner est mon repas le plus protéiné. Et d'ailleurs, c'est aussi un repas sur lequel je consomme quasiment toujours du fromage blanc. Parce que le fromage blanc contient des protéines de caséine qui sont digérées plus lentement. Donc on en revient à cette assimilation plus lente, donc plus durable pendant la nuit. Pour idéalement réduire le breakdown des protéines, comme on dit en anglais, donc la dégradation sur la durée. Pour ce qui est des compléments alimentaires que j'ai pris aujourd'hui, bah, il n'y en a que deux en fait. Il n'y a que la créatine monohydrate que j'ai pris ce soir et également des oméga-3 que j'ai pris répartis sur la journée avec mes repas. Il y a d'autres compléments que j'aimerais possiblement tester, mais j'en reparlerai certainement dans une autre vidéo parce que c'est pas du tout essentiel pour la perte de gras. Et que c'est vraiment du détail. C'est vraiment des choses auxquelles il faut penser lorsque vous avez déjà toutes les autres, tous les autres facteurs de l'équation, lorsque tout est déjà carré, lorsque vous consommez suffisamment de protéines, lorsque vous avez trouvé votre total calorique idéal pour votre vitesse visée de perte de gras. Une fois que vous avez tout ça on check, et ben vous pouvez penser à la prise de compléments alimentaires. Mais ne pensez pas à la prise de compléments alimentaires, ne pensez pas au cardio, entre guillemets, avant d'avoir vos basiques nutritionnelles bien en place. Alors au total, ça m'a fait une journée à 1137 calories uniquement, mais avec quand même 143 grammes de protéines, ce qui est à peu près à 1,7, 1,8 possiblement grammes de protéines par kilo de poids de corps, parce qu'en ce moment je pèse, enfin c'est variable, ce matin je pesais 82,8 kilos, pour le moment je suis à une perte de 4,3 kilos, parce que j'ai commencé il y a 2 semaines, tout pile, à 87,1. La perte de poids est assez rapide au début, parce que vous allez perdre de l'eau, du glycogène, également un petit peu de masse alimentaire dans vos intestins, parce que vous allez manger évidemment un petit peu moins de masse. Encore que je vous recommande, lorsque vous êtes en déficit calorique, de chercher à consommer des plus gros volumes. On en revient aux trois piliers de la satiété que sont l'apport en protéines, le volume alimentaire, donc avoir des grosses assiettes bien remplies mais d'aliments peu caloriques, et troisièmement, l'apport en fibres. Donc ça me fait une journée assez basse en calories, la majorité de mes journées sont plutôt vers les 1500 calories, mais aujourd'hui j'avais une faim inférieure à d'habitude. Et d'ailleurs, ça ne pose aucun souci de consommer un nombre différent de calories d'une journée à une autre en fait. Selon votre niveau d'activité, possiblement certains jours, vous allez ressentir le besoin de consommer un petit peu plus de calories. Et à l'inverse, les jours où vous avez moins faim, les jours où vous êtes plus occupé, vous pouvez dans un sens en profiter, comme aujourd'hui, pour faire des journées un petit peu plus basses en calories. En plus, hier, j'ai eu une journée un petit peu plus haute en calories. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai mangé un petit peu moins. C'est pas pour, entre guillemets, compenser l'apport un petit peu, disons, excessif que j'ai eu hier, encore que, mais c'est plutôt que du fait de toute la nourriture que j'ai consommée hier, aujourd'hui, j'avais assez peu faim en fait. Votre faim, votre satiété, elle va pas uniquement être mesurée, être impactée sur 24 heures. Si y a un jour où vous mangez plus que d'habitude, la majorité du temps, vous aurez moins faim le lendemain, et inversement. Donc, vous pouvez profiter de ce phénomène pour manger un petit peu moins le lendemain de des jours où vous avez mangé un petit peu plus que prévu. Encore que hier, je ne pense pas non plus que j'étais en surplus calorique. Donc, je suis toujours sur le bon chemin pour ma perte de poids. C'est tout pour ce vlog, ce full day of eating, cette journée dans mon assiette. Il y en aura d'autres, je vais vous laisser en fin de vidéo une petite physique update d'un posing à jeun, si on peut appeler ça un posing, parce que je ne suis pas très bon en la matière.
Et je vous sors la semaine prochaine une autre vidéo, un nouveau full day of fitting, mais où on traitera de d'autres problématiques, mais toujours sur la sèche.